Allez, on reprend la suite. Alors j'ai eu un bug de vidéo, mais c'est pas grave. On part pour cette ouverture de la boîte de 30 boosters d'extension de l'édition Tous Firexions avec Faux-Filin Bruyant en peu commune, Chanteur de Massacre en peu commune, et l'on a Consécrateur du Labrasque. Ah, une mythique! Oh, Mondrak Dominus! Oh! Et en plus, elle est en version extra, les amis! Ouh là 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 là, là c'est du lourd! Ouh là là, j'ai pas préparé mon truc. Eh ben, c'est ce bug de caméscope. Alors là, ce bug de vidéo. Alors celle-là, je vais la mettre sur pochette plastique. Ah ben, je pense que celle-là est peut-être cotée à plus de 30 euros. Donc ça c'est vraiment une belle trouvaille. Alors, on va penser voilà, que le bug m'a arrangé, je sais pas. Allez, Masquicor d'Argentum, en rare. Le Faux-Filin Bruyant, un peu comme une foil. Et oh, une carte The Lys, pardon, Force of Vigor. C'est une rare. Ok, alors ça peut être intéressant parce que il y a des cartes The Lys qui peuvent être très très bien cotées. Je vais sortir carrément, on va les laisser là sur le côté, cette carte The Lys. C'est vrai qu'on peut avoir de très 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 belles surprises. Allez, c'est parti, je continue. C'est bon, de chemin. Hop. Avec cette hard card. Une montagne Texless, Frondeur de fragments, Cœur rampant, Charge des puces, Crânoglodyte biliaire, un peu commune, Assaut délétère, Paladin de prédation, Skrige Glanerdos, Prêtresse de putréfaction, Nécrogène, oh, il y en a même trois là, Colipervier, Crépuscule de bleu soleil en rare, Maître de l'essaim piquant en commune, Foil et. Oh, rien du tout. Allez, hop. On continue. C'est vrai que je vais les enchaîner peut-être un peu plus vite. Mais bon, pour l'instant, j'en suis quand même à 3 mythiques, les amis. Ça s'est quand même bien amélioré, surtout avec cette mythique-là. Mondrak, en version extra. Oh, un terrain Texless Foil. C'est pas mal. Basilique de Sani. Piège à ferraille vorace. Maître de l'essaim piquant. Planeur d'incisive. Brutaliseur venimeux. Extension de la sphère. Prolifération virale. Alors je verrai pour faire une vidéo en second temps sur revenir sur toutes les cartes et leurs effets. Consécrateur du Labrasque. Et je le ferai par couleur. Hein. Pêcheur de vif argent. Dispositif d'imprégnation d'esprit. Oh, une rare foil. Alors par contre, j'ai pas de chance, Ruk. Shipper d'Exor. Alors j'ai eu deux rares foils, mais. Ah, c'est la 407. Oula, c'est une extra. On va la mettre de côté. Oh, et puis Imar the Stormcleaver. Je sais pas trop ce que ça vaut. La numéro 14. Alors ces cartes-là, des fois, elles sont cotées à 2 centimes. Donc bon, je vais mettre de côté. Oui, c'est un peu étonnant. Ah, c'est vrai que là, il y en a un peu de partout. Il y a des cartes intéressantes de partout. Allez, la hard card. Et puis, ben, on va espérer. Hop, je vais continuer ma petite aventure. Suivant de l'endoctrinement. Œil de Malcator. Gardien de Malcator. Nourrir l'infection, morsure infectieuse, nécro-titan vorace, émergence de la cuve, galopin à lame de scie, danseur ligamenteux, oh, crépuscule de noir soleil en rare, déplaceur de lune en commune foil, et un jeton rebelle, je crois que le jeton rebelle j'avais déjà eu. Allez, je continue l'ouverture, ah, j'ai fini quasiment, je finis la petite pile sur le côté. Pas loin des. J'ai dû ouvrir une dizaine de boosters, hein, les amis, sur les 30. Alors, Marais. Ouais, l'idéal, ce serait d'avoir au moins tous les terrains Texless. Ça, je vous le dirai dans la vidéo de stage. Chris Glanerdos. Gladiatrice des Charnets. Atrocité de Tyrannax. Danseur ligamenteux. J'ai pas beaucoup de blanc. J'ai l'impression que je vais pas être gâté en blanc. Cuve de renaissance. Sac d'incubation. Modernisation. Dunctus. Barge. Mince. Et beaucoup de peu communes, là, dis donc. Barge thoracique. Colipervier. Oh, Nissa Animiste Ascendue. Ah, elle est intéressante celle-là. Je vais mettre une petite pochette plastique. Hop. Alors celle-là, je crois que. Ah, elle est peut-être cotée une dizaine d'euros, voire un peu moins. Ah non, je me trompe peut-être. Je sais pas. Bah, je vous dirai ça dans la vidéo d'analyse et de stats. Hop. Manteau du labyrinthe en commune foil. Et Phyrexian et Golem en jeton, le numéro 10. Donc, on va mettre cette petite mythique
Drivenode aussi, je vais la mettre Drivenode dans une petite pochette plastique. On va mettre ces deux-là aussi. Comme ça, directement. Il semble que c'est des cartes qui sont d'excès côté à quelques euros, plus de 5 euros. Faut les protéger. Alors déjà, j'en suis à, les amis, à 4 mythiques. Hein. Ça augmente. C'est quand même intéressant. Hein. Alors, je sais que dans l'édition, c'est 2 mythiques de l'édition. J'ai une mythique aussi commandeur. Bon, qui a peut-être aucune valeur. J'en suis quasiment sûr. Mais cette mythique, mon drac Dominus de la gloire, ça là, c'est plus de 30 euros, il semble. Hein. Ça, je vous dirai ça dans la vidéo d'analyse de stats. En tout cas, il faut arriver à la rentabilité. C'est avoir plus de 130 euros de valeur ouverture. Allez, la hard card. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Oh, un nouveau terrain Texla. Oh, il est joli celui-là. Ah, c'est dans cette version-là. Waouh, super. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, porteur de lumière, Léonin. Bardiche, Miran. Oh, il y a du blanc. Point de frappe, Barbelé. Aspirante, Greflamme. Golem à plaque de Sani. Ramcroc d'Atraxa. Sentinelle, Céphalopode. Édifice, Ambulant. Rat au ventre de peste. On va les avoir. Je vais les avoir en 3 ou 4 exemplaires chacune. Ria, Ivor, Fléau de Fort Croutel. Oh, une commune extra foil galopin à lame de scie. Et ok, je vais la mettre ici. On va mettre sur le côté. Et Phyrexian Epus, le jeton numéro 12. Bon. Alors, c'est vrai que là, j'ai déjà avec autant de mythiques, alors qu'il me reste autant de boosters, je suis même pas à la moitié. D'un point de vue foil, il y a eu une rare foil là-bas. Mais sans. Oh, une autre carte hard card, vous voyez, avec le petit logo brillant. C'est la deuxième. Hop, deux. En ce moment, j'arrive à en avoir deux ou trois par boîte. Forêt. Alors, il y en a au moins deux. Une fois, j'ai eu qu'une. Hein. Rôdeur de chrome. Justicien Mandibule. Arcousin de l'orthodoxie. Bergère de la basilique. La basilique blasphème. Voile d'assimilation. Un peu commune. Carnage à plaque. Un peu commune. Tranche chair infestée. Chancreflore. Un peu commune. Un terrain. Oh, le terrain le plus coté. Je crois que c'est celui-là. Les jardins de la mycosynthèse. Oh, c'est pas mal celui-là, ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal, qu'est-ce que j'ai? Alors, une commune foil vorac contagieux. Beaucoup de foil, Phyrexian et plus. Alors, des terrains, il y en a 6 ou 7 en rare dans cette édition. Mais je crois que celui-là, c'est le plus coté de l'édition. Hop, on va mettre une petite pochette plastique. Alors, c'est peut-être 7-8 euros, mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Ah, pas mal, pas mal. Alors là, ça devient une belle ouverture, les amis. Franchement, d'ailleurs... Je crois que j'ai mis cette foil ici, je l'ai mis là, et celle-là aussi. Vous voyez, dans la précipitation, hop, je voulais les séparer comme ça, je voulais vous montrer combien j'avais de foil à la fin. Mais c'est vrai que voilà, je vais essayer de séparer un peu les cartes pour pouvoir vous faire un bilan rapide à la fin de l'ouverture, sans attendre forcément la vidéo d'analyse et de stats. En tout cas, une nouvelle hard card. Le terrain montagne. Bombe crânienne de la basilique. Conviction du zélateur. Dueliste de 8 fois. Vigie plongeante. Démolition jubilatoire. Galopin cacophonique. Pêcheur de vif argent. Oh, une autre mythique. Alors, c'est une autre mythique commandeur. Vigegrase, les seins de la mort. Alors, bon, je suis pas sûr qu'elle soit super cotée. Ça m'en fait deux. Ouais. Bon, c'est dommage d'avoir ces cartes-là, mais bon, c'est comme ça. Oh! Mythique extra, alors deux mythiques dans le même booster. Go d'ailleurs, Capricieux. Alors, je crois que celle-là elle est cotée autour de 7 euros en version normale. J'ai eu dans le bundle d'ailleurs. Un terrain, la dupe, ok, rare, et une peu commune foil, barge thoracique. Ok, alors là c'est un et le jeton poison, il n'est pas si courant que ça, les amis. Là, c'est franchement un booster de fou. Deux mythiques dans le même booster. Alors, la mythique commandeur, elle est pas terrible. Hein. Mais donc voilà, j'en suis dans l'édition quand même avec deux mythiques de l'édition, deux mythiques extra et deux mythiques commander, ce qui fait 6 mythiques, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis j'ai fait un test, je pensais pas en avoir autant. Voilà. Et j'ai déjà mes deux hard cards signées de la boîte. Ça c'est aussi intéressant. Alors c'est parti, ascension de l'aspirant, libérer de la chair, offrir l'immortalité, frisson de la probabilité. De probabilité, prologue à la phyrésie, Mechelin exubérant, forgeur de charbon, cavaleur magmatique, danseur ligamenteux,
25 marionnettes cadavres. Prêtresse de la putréfaction nécrogène. Oh, une carte The List, implode. La deuxième, alors c'est une carte, je crois que c'est Plan Shift. Peu commune, Plan Shift, en édition The List. Bon. Alors, ah, par contre, c'est bien, c'est une belle ouverture, mais c'est vrai que, en collectionneur, j'aime bien avoir de nombre de cartes différentes. J'aurais aimé avoir les mythiques de fou en version normale. Il y en a deux, il y en a une multicolore et une blanche qui sont aux côtés, je crois, autour de 40 euros dans cette édition. Oh, terrain plein. Allez, Forge Myrmir. Gardien Myr. Atlas Phyrexian. Disparition dans l'éternité. Que naisse la fin. Fontaine du Pourrais, un peu commune. Théoricien de la transplantation. Chirurgien de l'atmosphère. Cultivateur de liane rouille. La façade monumentale, un autre terrain. Ah, c'est intéressant ça. Hop, charge à voltage en commune foil. Alors les foils, j'ai pas grand chose. Phyrexian et Golem, jetons 10. Les foils, oui, j'ai pas eu. Pour l'instant, à voir dans les cartes un peu ordinaires, on va dire, dans les extras, dans les choses comme ça, mais il ne semble pas avoir eu des cartes intéressantes, super intéressantes. Alors, la nouvelle art card. Oh, un nouveau terrain. Alors, voilà, c'est quand même le troisième, hein, les amis. Hein. Et puis, en extra foil, j'en ai pas beaucoup, hein, des extra foils. Allez, chute de Vraska. Regard annihilateur. Dévotion parachevée. Blâme en fusion. Injecteur prophétique. Rejet de l'imperfection. Voilà, les communes et les peu communes ont à peu près le même nombre. Hein. Évangéliste de vivisection. Apôtre de l'invasion. Skrige Glanerdos. Alors, chroniqueur du zénith. En rare. Oh, une rare extra foil. Ezuri pisteur de sphère. Ok. Bon, bon, ok. Je sais pas si elle est bien ou pas. Ça va avoir, mais je suis pas sûr qu'elle soit super cotée. Le jeton rebelle. Oui, franchement, je suis pas sûr qu'elle soit très cotée, les amis. C'est très extra. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Enfin, il y a eu à côté du lourd. C'est quand même hâte d'aller analyser tout ça et vous donner les cotations de toute cette ouverture. Hein. Allez, la hard card. Il. Conservateur de la toile d'assimilation. Charge à voltage. Synthétiseur de Sani. Dose hypnotisante. Consécrateur du Rabrasque. Réservoir bouillonnant. Guet-ciel de la résistance. Galopin à lame de scie. Prêtresse de putréfaction nécrogène. Un peu commune. Ah, oh, épée de forge et de frontière. Une mythique incolore. Allez, pas mal celle-là. Oh, encore une de plus. Mente à l'âme en treillis, en commune foil, une nouvelle commune foil et un marqueur poison. Alors hop, une nouvelle mythique qui est intéressante. Alors c'est ni la blanche ni la multicolore qui sont super cotées, mais je crois que l'ensemble des cartes de cette boîte prend de l'ampleur. Et il me reste tout ça en booster, les amis, il me reste combien? 3, 6, 9, 12, 12 boosters. C'est-à-dire que j'en ai ouvert que 18. Et en 18 boosters, j'ai eu 2 mythiques extra. 2 mythiques commandeurs et 3 mythiques de l'édition, plus 2 cartes rares intéressantes, et puis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Bon, il reste 12 boosters, les amis. Ouh, est-ce que je vais avoir la chance de faire une explosion d'ouverture? Hop. Peut-être que ça va être une boîte fantastique, hein. Ça peut arriver de temps en temps, une boîte extraordinaire. Allez, galopin à lame de scie, cycle alimentaire impitoyable, intendant de prédation. Pourquoi je les mets là? Oui, hop. Ossification. Ah, des blanches. C'est peut-être un booster blanc. Zélatrice de porcelaine. Dueliste à mâchoire. Allez, un booster blanc. Ambassadeur à l'âme. Oh non, chancreflore. Oh, une rare extra spinoderme évoluée. Ok. Et source de nord. Oh, c'est une rare blanche. Ok. Ok. Et voilà, on va la mettre là. Dueliste de vive foi. En commune foil, une nouvelle commune foil, et le jeton rebelle. Alors je sais pas, hein, peut-être que cette carte-là, source de Nord, elle est bien cotée, cette carte-là aussi, mais je crois pas, c'est quelques euros. J'essaye quand même de me repérer là-dedans, hein. C'est pas facile, hein. Bon, franchement les amis, j'essaye vraiment de vous sortir les cartes qui pourraient un peu sortir de l'ordinaire, pour, comme ça, vous les représenter. Mais oui, en termes de foil, je pense pas avoir eu grand-chose dans cette ouverture, dans cette boîte. En termes de non-foil, là, je pense avoir des super cartes. Allez, forêt.
Perturbation planaire, salve dangereuse, enjambeur du fourneau, le fourneau autonome, finisseur d'oxyda, chaise de combat, Sylvoque, planelle, d'exor, Scrige et Nordos, on les a eu 10 fois, Ruk, shipper d'exor. Oh, il y a deux rares dedans. Rivage de nappe noire, un autre terrain. Ok. Et en foil, prêtresse de putréfaction nécrogène. Oh, Mycosynthe Latisse, les amis, c'est une mythique. Une mythique, c'était quoi ça? C'est pas Battle Bond, un truc comme ça? Ouh, alors celle-là, je vais peut-être la mettre sous pochette. Alors, je sais pas du tout si elle vaut quelque chose ou pas. C'est une carte The List. Mycosynthe Latisse, c'est une mythique The List de l'édition, il me semble, Battle Bond. Ah, ça, je vous dirai dans la vidéo d'analyse de stats, là, il y a quand même, du lourd à chercher, s'il n'y a pas des petits trésors là-dedans. Mais, bon, il y a des certitudes sur certaines cartes. Après, il y a vraiment des cartes où, là, je suis dans l'incapacité de vous dire, ça peut être 1€, ou peut-être 15€, voire plus, je sais pas. Ça peut être 1€, hein, bien sûr, hein. Ça serait dommage. Connaissent la fin. Chute de Vraska. Regard annihilateur. Dévotion parachevée. Voile d'assimilation. Carnage à plaque. Tranche chair infestée. Châtieuse du fourneau. Encore une mythique. Mais alors celle-là, c'est une mythique à nouveau. Excelsion d'Atraxa. Donc c'est une mythique par contre commandeur. C'est pas terrible, mais bon. Oh, j'aurais aimé avoir la mythique multicolore qui est cotée à plusieurs dizaines d'euros. Glissade du soleil. Rat au ventre de peste. Alors, à mon avis, et marqueur poison. En foil, je vais pas avoir grand chose dans cette boîte, effectivement. Parce que j'ai trop de cartes intéressantes à côté. Et je pense que ça s'équilibre, en fait, les ouvertures. Alors, elle est belle, la hard card. Waouh. Ah, encore un terrain textless foil. Ah ouais, c'est pas mal, ça fait un de plus. Et bien à la fin, je vais vous dire combien j'en ai eu, mais j'en ai eu, je trouve que j'en ai eu pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Allez, Bardish Miran. Point de frappe barbelé. Aspirante greffe-lame. Ascension de l'aspirant. Libéré de la chair. Vigie plongeante. Démolition jubilatoire. Galopin cacophonique. Danseur ligamenteux. Mirex, un nouveau terrain. Oh, bien, bien, bien. C'est bien d'en avoir autant de différents. Schrute de Vraska en commune foil. Ok. Et le jeton, la sentinelle creuse, le numéro 9. Ok. Bon, allez, il me reste combien de boosters? 3, 6, 8 boosters. Allez, hop. 8 boosters. Il est mythique, j'en ai eu. 3 en version normale, 2 en version extra, 3 en version commander et 1 en version The List. C'est pas mal du tout. La hard card, j'en suis toujours mes 2 hard cards signées. C'est vrai que depuis quasiment le début, sur toutes les hard cards. Flamme en fusion, perturbation planaire, salve dangereuse, enjambeur de fourneau, Mechelin exubérant, forgeur de charbon, cavaleur magmatique, galopin à lame de scie. Oh, une extra rare, qui est Tech Goliath du Creuset. Oh, une rare corps feu de la résistance, un Planet Walker. Ok, je sais pas du tout si elle a de la valeur ou pas. Cœur rampant, en commune foil, vraiment beaucoup de commune foil. Et le jeton rebelle que j'ai eu plein de fois. Alors, c'est pas parce que c'est un Planet Walker, cette carte rare, qu'elle vaut quelque chose, peut-être qu'elle vaut rien du tout, si elle n'est pas intéressante à jouer. Ça, c'est aussi, ça dépend de l'effet, hein. Alors, le fourneau autonome. Bon crânien du fourneau, crescendo brûlant, cacteur de Kuldota, pardon, apôtre de l'invasion, ossification, zélatrice de porcelaine, beaucoup de blanc de liste à mâchoire, prêtresse de putréfaction nécrogène, une rare verte contaminée.